Good morning, Aleiden, nous étudions aujourd'hui Maseret Megillah, Perek Gimel, Mishnah Alef. Bnei ha'ir shemachru rechova shel ir lokrin bedamav bet ha'kneset lokrin teva. Teva lokrin mitpachot, mitpachot lokrin sfarim, sfarim lokrin Torah, avalim achru Torah lo ikru sfarim, sfarim lo ikru mitpachot, mitpachot lo ikru teva, teva lo ikru bet ha'kneset lo ikru et ha'rechov, vechen bemotrehen. Et mochin et shel rabim le yachid mipnei shemordid otom ikdushatu dir rabbi Yehuda l'achar amrulo imken aflo meir gdola le ir ketana. Bon, pour le perek Gimel et Dalet, les deux derniers parakim de Megillah, on a fini concrètement avec les lois de Purim et de la Megillah. Il y aura par-ci par-là quelques petites mentions vraiment, mais pas. On a fini le sujet. On va traiter en fait de. On peut dire, si je peux dire, je dirais un gros sujet qui. Un gros thème qui va en fait se décomposer en quelques petites parties. Soit le gros thème, ça va être la lecture de la Torah et toutes les mitzvot de Tzibour, essentiellement la lecture de la Torah. Quel paragraphe lire, à quel moment, comment le lire, ce sera le thème finalement. Et on va commencer en fait dans notre chapitre avec trois Mishnayot qui sont relativement annexes, mais qui introduisent ça en fait. On va parler de la Kdusha de Bet HaKnesset. Concrètement, comme ce qu'on va voir tout de suite, en fait, comment vendre des choses qui ont une kdusha, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on va recevoir ensuite en contrepartie, comment, d'accord, et du coup, ça va être en fait la porte d'entrée en fait, pour entrer dans toutes les lois de la lecture en public par rapport à ça. On va parler un petit peu de la lecture de la Megillah à un moment, au début du prochain chapitre. On va donc, dans la deuxième partie du chapitre, Gimel, Perek Gimel, on va traiter concrètement de quoi lire, à quel moment de l'année, pendant les fêtes et tout ça. Et le prochain chapitre, ce sera comment lire et comment ensuite accomplir les mitzvot en public, telles que le chalir tibour, ou qui peut monter, est-ce que quelqu'un qui est en short, est-ce qu'il peut monter faire la tfila en chalir tibour ou non. Ce sera tout le sujet en fait, du troisième et quatrième chapitre. Pour le moment, on a trois mishnayot donc, devant nous qui vont traiter des lois de comment gérer les fonds de Gdusha, de la Bet HaKnesset. Loi très fréquente qu'il faut savoir quoi faire concrètement. Imaginez, vous voulez vendre une bête à Knesset. On a acheté une belle synagogue dans le quartier, mais qui était petite. Puis on a envie de la vendre pour aller acheter plus grand. Est-ce qu'on peut la vendre? À qui la vendre? Imaginez, on va la vendre et puis là, ensuite, ils vont nous construire dessus un bain public. Est-ce que ça permet? Ce sera le sujet plus ou moins général. Imaginez qu'on a vendu, on a récupéré beaucoup d'argent. Et maintenant, là, on va aller acheter, ça coûte nettement moins cher. Qu'est-ce qu'on fait avec le supplément? Est-ce qu'on peut acheter autre chose avec, quoi acheter, si oui, construire un migvé, pourquoi pas. On va pas parler de ça dans les détails, après, c'est à partir de notre Gemara, et de la Mishnah et de la Gemara, ça va partir ensuite dans les poskim, des sujets relativement intéressants et complexes que je ne maîtrise pas vraiment, c'est étudier la Gemara, mais pas beaucoup plus, et sujet très riche en général, quoi. Et on commence avec la première Mishnah, donc. Bnei ha'ir shemachru rechova shel ir. Les habitants de la ville, alors regardez, je vais faire une petite introduction, en fait, parce qu'on va voir la Mishnah avec des composants en deux. Première partie de la Mishnah, c'est qu'on va voir en fait toute une hiérarchie de Kdusha. On va voir, je crois qu'il y a six éléments. On va voir l'élément qui a déjà une Kdusha, mais qui est moins Kadosh, qu'on va pouvoir le vendre pour acheter quelque chose de plus, mais pas pour acheter quelque chose de moins. En général, c'est comme ça. On va parler Rechov Hashel Ir, Bet Knesset, Teva, Mitpachot, Sfarim et Sefer Torah. D'accord? On va expliquer bien sûr, chacun sait, que si tu vends l'un, tu peux acheter l'autre, mais si tu vends le niveau 2, tu pourras utiliser l'argent pour acheter un niveau 3, mais tu ne pourras pas acheter un niveau 1. Et là, il y aura une question, est-ce qu'on peut acheter le niveau 2 ou pas? Quoi précisément? D'accord, vous avez compris le principe? On va voir en fait, donc je viens de les énumérer, en fait, ça fait 6 éléments. C'est ce qu'on appelle Rechova Shel Ir, un grand espace public de la rue même, la place publique de la ville. Qu'est-ce qu'elle a comme Kdusha? On va expliquer, ça en réalité une discussion. Il y a la place publique de la rue, il y a au-dessus, il y a la synagogue, la Bet HaKnesset. Au-dessus, il y a le Aaron, l'arche où on range le Sefer Torah. Au-dessus, il va y avoir les mitpachot. Les mitpachot, c'est les foulards, concrètement, les tissus avec lesquels on manipule le Sefer Torah, parce qu'il faut pas attraper un Sefer Torah à main nue. C'est pour ça qu'on enveloppe toujours lorsqu'on met des mitpachot pour attraper le Sefer Torah. Avant, on enveloppait, comme encore, c'est plus fréquent chez les Ashkenazes encore. Aujourd'hui, chez les Sfarim, en général, tout le monde achète, aujourd'hui, à notre époque, les boîtes du Sefer Torah, donc c'est plus tellement actuel, même si c'est le même principe que le mitpachot, en réalité. C'est tout ce qui touche, en fait, à protéger le Sefer Torah. Après, on va passer à un niveau de Kdusha supplémentaire au-dessus. C'est les Sfarim. Quand je dis Sfarim,
ça veut dire les Sfarim des Nevim et des Ktuvim. C'est pas tellement fréquent dans nos synagogues, bien que, surtout en Israël, je sais pas comment c'est en France, mais chez les Ashkenaz lituaniens spécialement, lorsqu'ils lisent l'Aftar en public, ils lisent sur des parchemins, comme un petit Sefer Torah. Des parchemins avec, ils ont tout, Yoshua, Shoftim, Shmuel, et ainsi de suite. Et donc ils ont des vrais parchemins pour lire, ils ont une Kedusha supplémentaire. Chez nous, on lit, pour le Sfarim en général, on lit en général avec un livre imprimé. Au mieux, il y en a qui prennent un livre imprimé avec tout le Sefer, tout le livre du Tanakh devant eux, même ça, il y en a qui ne font pas attention à ça. D'accord, c'est des Hidourim en fait supplémentaires, mais en tout cas, là on parle à l'époque où on lisait sur des parchemins, donc il y avait une Kedusha, et au-dessus, la Kedusha suprême, c'est le Sefer Torah. D'accord, donc on a parlé de Rehovah Shalir, la place publique, la Beit HaKnesset, au-dessus. Au-dessus, on a l'arche dans laquelle on range le Sefer Torah, qui a l'air apparemment très kadosh, mais c'est moins kadosh que le Sefer Torah, parce que la Kedusha, c'est le Sefer Torah en fait. C'est lui qui est en haut de l'échelle. Donc tout celui qui va être un petit plus proche du Sefer Torah, il aura une Kedusha plus ou moins proche en fonction. C'est-à-dire si on va à l'envers, on a le Sefer Torah qui est le plus kadosh. Et ensuite, on a l'annexe, c'est les Nevi'im et Ktuvim. Oui, même la Megillah aussi. Je vous ai parlé des Nevi'im que les Ashkenazim lisent. Aussi, les Ashkenazim ont le minhag de lire à chaque fête. Ils ont une Megillah à lire. Que ce soit chez Hachérim, ils la lisent en public avec une vraie Megillah, avec un vrai parchemin. Ou que ce soit Kohelet à Pessah. Ou que ce soit Megillah Trout aussi, ils la lisent sur un parchemin à Shavuot. Kohelet à Sukkot, excusez-moi, ouais. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc en fait, on a le top, la plus Kedusha, c'est le Sefer Torah, la Kedusha en dessous, c'est les Sifrei Sfarim des Nevi'im, la Kedusha en dessous, c'est les Mitpachot, donc on a dit, c'est celle qui sert à envelopper et à protéger le Sefer Torah, mais qui sont en contact direct avec le Sefer Torah, la Kedusha en dessous, c'est ce qu'on va appeler dans le Mishnah la Teva, ce que nous on appelle dans notre jargon, on appelle le Aaron, Tichata Aaron, Tichata Echal, l'Echal chez les Sfaradim en général, et le Echal, donc c'est l'endroit où on range le Sefer Torah, même si ça a l'air très kadosh, mais c'est moins kadosh que la Mitpachat, parce que la Mitpachat, c'est un rapport direct, elle est en contact direct avec le Sefer Torah. Le Aaron, c'est là où on range le Sefer Torah, c'est plus éloigné. Et puis ensuite, il va y avoir la Beit HaKnesset, en soi-même, le lieu où on prie en public. Et en fait, la Kedusha, la moindre, mais qui est déjà kadosh, c'est la Rehovah Shalir qui est en fait l'objet d'une discussion. C'est quoi la Rehovah Shalir? Parce qu'en fait, si vous vous rappelez, quand on avait appris dans Masechet Ta'anit, on avait appris que, à certaines occasions, on va prier sur la place publique. Et si on fait une prière des tfilot sur la place publique, c'est signifié qu'il y a une Kedusha sur la place publique. Puisqu'il y a une Kedusha, alors c'est déjà kadosh, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas la vendre pour en faire n'importe quoi. On ne peut pas la vendre. On imagine qu'on a une place publique que maintenant on a quelqu'un envie de l'acheter pour qu'on aille acheter, faire ensuite ailleurs. On a envie de construire, peu importe. On a plus besoin de cette place, peu importe. On a l'occasion de construire. Qu'est-ce que vous voulez? Un bain public, c'est important, ouais, non, pourquoi pas? Eh ben non, malgré tout, on ne pourra pas. D'accord? On ne pourra pas utiliser cet argent pour faire autre chose. Donc, Bnei Ha'ir, vous imaginez aussi que dans la hiérarchie, il en manque beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, pour construire un Talmud Torah qui est la Kedusha la plus grande, là où les petits-enfants étudient la Torah, qui passe au-dessus de tout, qui est la Kedusha plus haute, et ainsi de suite. Donc, Bnei Ha'ir, Shemachru, Rehovah Shalir. Les habitants de la ville qui ont vendu une Rehovah Shalir. Rehovah Shalir, donc on dit la place publique. Eh bien, l'okrin benamav bet knesset, ils pourront acheter avec sa contre-valeur, ils pourront la faire monter pour acheter une bet knesset, mais ils ne pourront pas acheter moins que ça. D'où la discussion. Je laisse tomber la discussion, après je vous rapporterai, Bezrat Hashem, quelques petites précisions, d'accord? Ensuite, bet knesset, ils ont une bet knesset, s'ils veulent, ils pourront soit acheter une autre bet knesset, comme on l'explique ensuite, ou bien soit même acheter quelque chose de plus, se construire une teiva, qu'en fait, il nous dit... il ne s'est pas précisé, c'était tellement évident pour eux. Aaron à Kodesh, il dit le Tiferet Israël. D'accord? Acheter le Aaron, le Echal, construire un Echal. Imaginons, on avait deux Beit HaKnesset, une qui était très, très utilisée et une qui n'était pas tellement utilisée. Vous savez quoi? Viens, on va vendre l'une pour pouvoir investir dans l'autre et construire un beau Aaron pour le Sefer Torah. On pourra le faire. D'accord? Parce qu'une Beit HaKnesset, on va acheter un Aaron. Un Aaron à Kodesh, un Echal. Teiva, ensuite, on pourra vendre le Echal si on veut, imaginez que c'est une boîte. Pour l'okrin mitpachot, on pourra acheter des mitpachot, c'est des foulards, ça veut dire avec quoi on protège le Sefer Torah pour ne pas le toucher, pour le ranger proprement et tout ça. Mitpachot, on veut vendre maintenant ces foulards-là. L'okrin sfarim, on pourra acheter des sfarim qui sont, comme le dit le Bartanora, Nevi'im Ktuvim. Sfarim, l'okrin Torah. Si on est livre, on pourra aussi acheter le Sefer Torah.
D'accord? Mais par contre, on ne pourra pas faire le contraire. Avalim Machot Torah, on pourra acheter donc un Sefer Torah. Avalim Machot Torah, l'autre Sfarim. Par contre, s'ils ont vendu un Sefer Torah, on ne pourra pas acheter des Sfarim. Ça peut être fréquent. Imaginez que, par exemple, quelqu'un a reçu, imaginez une synagogue à Paris où il n'y a presque pas de Yémanites, des gens du Yémen. Quelqu'un, il a reçu un Sefer Torah, un héritage du Yémen. Il n'y a rien à faire avec ce Sefer Torah. Il a envie de le revendre maintenant à une synagogue israélienne où il y a là-bas des Témanim. Et il veut, pour l'utiliser ça, maintenant, ça va être l'occasion pour lui pour acheter des Nevim ou Ktuvim. Eh bien, il ne pourra pas le faire. Il pourra au mieux racheter un Sefer Torah. Même ça, c'est discuté, mais je toucherai un petit mot ensuite. Sfarim, maintenant, il veut vendre les Sfarim. Les Sfarim, ils vendent des Nevim ou Ktuvim. Alors, il pourra, s'il veut racheter un Sefer Torah, comme son adjoint, mais par contre, il ne pourra pas passer une glucha moindre qui consiste à l'oekro mitpachot pour acheter des mitpachot. Mitpachot, donc des foulards. Ensuite, mitpachot, s'il vend les foulards du Sefer Torah, eh bien, l'oekro teiva, il ne pourra pas prendre une arche, l'arche du Sefer Torah, un ron abrit, parce que c'est une glucha moindre. Teiva, l'oekro bet knesset. Si jamais on a vendu maintenant un echal, une belle boîte, on avait une belle boîte, un beau coffre-fort, comme c'est fréquent dans notre époque, de faire de beaucoup plus fort pour le Sefer Torah. Maintenant, on en a une supplémentaire, on a voulu acheter une beaucoup plus grande, on a déjà quelqu'un qui nous en a une plus grande. On a lancé une Kela, on a envie d'en le vendre à une banque. Alors, à part les problèmes de faire passer la Gdusha, ben, je rentre pas dans les détails. Pour le moment, on retient le principe. On a envie maintenant de le vendre pour pouvoir ensuite acheter autre chose. Eh bien, on ne pourra pas acheter avec cette Teva une Beta Knesset. Imaginez qu'on a envie de construire, on a envie de financer avec le prix de ça, on a envie de financer un élargissement de la Beta Knesset. Eh bien, non, on ne pourra pas. Parce que la Teva est plus cadeau que ça. Beta Knesset. Ou encore, si on a vendu une synagogue, on ne pourra pas prendre une place publique. Ok? Sur ça maintenant, j'ai deux précisions à apporter, peut-être même plus. Je refais le point sur quelques petits détails, quelques petites discussions de Bartendra qui nous parle par-ci par-là, des discussions de Gemara. La première, tout d'abord, c'est, donc on a dit, pour la Rechova Shalir, la place publique, c'est une marloquette. En réalité, est-ce qu'il y a réellement une Gdusha ou pas? Le fait que ce soit que occasionnel qu'on en ait pris en public, est-ce que ça fait une Gdusha? Et je crois que la Halakha l'a retenu comme Chachamim, pas comme notre Mishnah, qui nous dit qu'il n'y a pas de Gdusha dans le Rechovach à lire. Donc on pourra la vendre, en faire ce qu'on veut. Ça c'était premièrement. À part ça, il y a un détail que je préfère le laisser de côté pour le moment. Pour le moment, quelque chose de plus général. On a parlé qu'avec le niveau 2, t'achètes 3, 3, t'achètes 4. Mais avec niveau 3, t'achètes pas 2. Mais est-ce qu'avec 3, je peux racheter 3? Comme ce qu'on a dit maintenant, on a parlé du cas par exemple. On peut vendre un Sefer Torah, prochain autre Sefer Torah. Celui-ci, il est plus vieux, il n'est pas... Et quelqu'un, imaginez, dans une synagogue Sfarad, ils ont envie de vendre un Sefer Torah qu'ils ont reçu par héritage, un Sefer Torah Ashkenaz, à une synagogue Ashkenaz, comme ça ensuite ils vont pouvoir utiliser l'argent pour acheter un Sefer Torah. Est-ce que quelque chose qui est de même niveau, est-ce qu'on peut racheter quelque chose d'autre ou pas? Ça fait l'objet d'une petite discussion en fait. Il y a un long Tosfot Tov ici, qui nous dit, qui rapporte un Kesef Miché qui veut apprendre à même que c'est interdit, mais le Tosfot Tov, ça comprend que oui, on peut acheter quelque chose de même niveau. Au maximum, peut-être c'est mieux d'acheter quelque chose de plus, mais en tout cas, quelque chose du même niveau, on pourra aussi l'acheter. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Il y a un détail important aussi dans le Barthénois. Quelque chose de délicat, je préfère pas tellement deux détails importants en fait en réalité. Il y a tout d'abord, quand on a dit que tu vends une Beta Knesset pour acheter une arche, on parle que d'une Beta Knesset d'une petite ville. Alors qu'il faut savoir que les Beta Knesset, et deux détails importants quand même, une Beta Knesset d'une grande ville, elle appartient pas que aux habitants de la ville. Elle appartient à tous les habitants du monde. Imagine une synagogue à Yerushalayim centrale, ou une synagogue, peu importe, même dans n'importe quelle ville qui est importante, où il y a des gens qui passent de toutes les villes, qui s'arrêtent là, la synagogue leur appartient aussi à eux, et pas que à ceux qui cotisent. Elle appartient à tous. Et de ce fait, ils ne pourront pas la vendre, parce que si, regardez, les premiers mots de la Mishnah, c'est Bnei Ha'ir, les habitants de la ville qui ont dit, on n'a pas parlé qu'il y a quelqu'un qui décide de lui-même. Ils se sont concertés, et ils ont décidé, allez, venez, on va vendre la synagogue. Mais, donc, ceux à qui, quelque part, ça appartient, ceux qui l'utilisent, ceux qui gèrent, ils ont décidé d'en faire autre chose. Mais ils ne peuvent pas décider que la moitié de la ville. Eh bien, il faut savoir, une synagogue d'une grande ville, ça appartient à tous les habitants du monde, parce que tous les habitants du monde passent par ici. De ce fait, si tu veux réellement la vendre, il faut demander à tout le monde. Tu ne pourras pas le demander, donc tu ne peux plus la vendre. Il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut savoir aussi, c'est l'histoire des Shiva Tuvei Ha'ir Bemahamad Anshe Ha'ir. Il y a à l'époque, je ne sais pas exactement comment ça s'exprime à notre époque, mais il y avait, c'est encore apporté dans le Chandembourg jusqu'à il y a 200 ans, 300 ans, j'imagine que c'était plus à l'époque, il y avait vraiment, dans chaque ville, il y avait la grande synagogue et tout était géré, il y avait là-bas les Shiva Tuvei Ha'ir. Il y avait 7
député de la ville, en fait. Le 7 responsable sur la qui est là des juifs, qui géraient eux les biens publics. Eux, ils prenaient les décisions pour tout le monde. Et de ce fait, alors même pour une grande ville aussi, c'est eux qui prenaient les décisions pour toute la ville. C'est-à-dire, on les a nommés pour que eux décident qu'est-ce qu'on fait avec chaque fonds. Et eux, lorsqu'ils décident de vendre, ils peuvent même passer d'une doucha chamoura à une doucha kala. S'ils se conservent, c'est des gens qui ont chachamim, ils ont des connaissances en Torah, ils ont l'irat shamaim, et ils se conservent, ils voient réellement c'est quoi le bien de la ville. Et ils ont même la capacité de retirer complètement la doucha d'une bête à Knesset parce qu'ils ont décidé qu'il va falloir construire un terrain de foot pour que les enfants arrêtent de perdre leur temps l'après-midi et qu'ils s'occupent sans se dévergonder. Imaginez qu'ils ont conclu que c'est ça. Ils pourront même vendre une bête à Knesset pour pouvoir utiliser l'argent pour construire un terrain de foot. À Tkédekar. D'accord? On a plus ou moins tout dit les généralités de la Mishnah et maintenant on attaque l'avant-dernière partie. C'était Vechen Bemotrehen. Je voulais le préciser. Je l'ai oublié. Bemotrehen, même avec leur supplément. C'est-à-dire en fait, même avec le supplément, le reste de la doucha. Imaginez comme on a dit. On a vendu la. On avait une petite bête à Knesset, mais alors, avenue des Champs-Élysées, le. Ouais, 100 mètres carrés, ça coûtait une fortune. On l'a vendu pour aller construire une bête à Knesset un petit peu moins centrale, beaucoup plus. Acheter sur un espace deux fois plus grand même, et il nous reste encore du supplément. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On a dit, bon, mais tu sais quoi? Bon, regarde, t'as vendu l'argent. Maintenant, t'as vendu le petit 100 mètres carrés, tu l'as vendu à 2 millions d'euros. T'as récupéré maintenant, avec 1,5 million d'euros, t'as construit une bête à Knesset trois fois plus grande. Il y a 500 000. Viens, on en fait quelque chose. Viens, on va construire quelque chose de public, de général. On va enfin pouvoir faire le terrain de foot qu'on avait dit pour les enfants. Il n'y a pas les touvaïrs, bien sûr. Donc maintenant, on a envie avec le supplément. Non, la supplément aussi, elle a le même goudoucha que la bête à Knesset. Donc tu vas faire que de la bête à Knesset. Qu'est-ce que tu veux? Tu construis un troisième étage sur la synagogue, je ne sais pas quoi dire. T'as qu'à construire. Ah, tu pourras acheter, si tu veux, faire un échal. Tu pourras acheter un Sefer Torah, puisque c'est une goudoucha supplémentaire. Ok, c'est clair? On continue. En mochrin et shel rabim le yachin. On ne pourra pas, alors là, on ne pourra pas vendre quelque chose qui appartient à un public à un particulier. Mipnei shemorin rabim le yachin, parce qu'on le fait baisser la gdusha. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda, on va expliquer tout de suite. La chachamim, et amroulo chachamim, l'on rétorque, l'on dit non, dis-moi, oh. Imken, aflo meir vidola, le yachin, la même. Sinon, si tu commences à entrer dans une considération pareille, ce ne sera pas non plus même pour une ville, grande ville, sur une petite ville. On peut parler d'une bête à Knesset comme dans Sefer Torah, comme dans tout ce que vous voulez. Imaginez que quelqu'un, il avait envie de se construire sa petite bête à Knesset. Soit, on revient avec l'histoire, on va vendre une synagogue pour construire une plus grande synagogue. Et on a maintenant un particulier qui veut venir, qui veut acheter sa petite synagogue. Pour lui, il fait sa tefila tout seul, de temps en temps il fait ses minanim, mais c'est lui qui dirige ça tout seul. D'accord? Comme c'est fréquent, il y a des gens qui ont une salle d'études dans leur maison par exemple, j'en rêve. Il y a une petite pièce là-bas où il est tranquille, il s'enferme dans sa maison, il a ses livres, il étudie tranquillement. Mais j'ai comme ça, il veut s'acheter une petite bête à Knesset. Il amène ses chavrutot, de temps en temps, il fait des minanim aussi, il a sa famille qui est tout. Il va là dans un an, il veut être mitbodet pour parler avec Hachem tout seul. Et donc il veut s'acheter une bête à Knesset personnelle. Avant, elle appartenait au public, maintenant elle peut devenir, ça veut devenir une bête à Knesset personnelle. Le public, lui, est intéressé par vendre cette bête à Knesset, pour pouvoir la construire plus grand, comme on a dit. Eh bien, il ne pourra pas vendre. Alors, Marloquette, selon Rabbi Yehuda, il ne pourra pas vendre. Parce que le fait qu'il y ait un public qui prie, la shrina, elle descend, la scala du public, en shrina, shora, el amitor. Comment c'est? Enomrim, d'abord, chez le Gdusha, mais parfois de Masara. Partout, il faut 10 personnes pour qu'il y ait la Gdusha. Ouais. Comment c'est dans Elokim, Nitzav, Baadatel. Les créateurs de Mishpot ont déduit là-bas, Badatel, Adat Korach, nanana, que quand il y a 10 personnes, la Shrina, elle est Elohim, Nitzav, Badatel, Hachem, il réside là où il y a la Adat Hachem, 10 personnes. Si c'est tout seul, c'est moins, il y a moins de résidence de la Shrina, bien sûr, que le Shrina ne voit toujours, même quand on est tout seul, même lorsqu'on est tout seul, comme c'est écrit dans le Kavot, même un seul qui étudie, il y a que le Shrina, il regarde même deux, mais quand il y a 10, il y a plus de Gdusha. De ce fait, Rabbi Yehuda dit, écoute, si c'était public, tu ne fais pas passer en privé. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, tu sais quoi, si tu commences à entendre ces considérations pareilles, alors moi, je vais te dire un autre pasouk. Berov Amadrat Melech. Un endroit où il y a 150 personnes qui prient, c'est mieux que 120. Et 120, c'est mieux que 80. Donc, dans ce cas-là aussi, tu vas commencer à dire, tu vas dire, eh, attends, une minute, vous voulez acheter une bête à Knesset, là. Pour le moment, on avait la grande synagogue du quartier Sfarad, il y avait 200 personnes. Et puis maintenant, vous voulez la vendre aux Ashkenaz. Combien vous êtes, vous, à 80? Ah, non, on ne peut plus vendre parce que 80, ça fait moins que 120. Non, c'est pas du tout. Ça marche pas comme ça. Dès qu'il y a
un endroit qui reste dans sa Kedusha avec ses fonctions pour lesquelles on l'a prévu, eh bien, on pourra le vendre selon Chachamim. À partir du moment, ouais, et même de ce fait, puisque tu es d'accord, même toi, Bioda, tu es d'accord que de 120 à 80 personnes, c'est pas un problème. Parce que dès qu'il y a 10 personnes qui prient, il y a la Kedusha. Sache qu'en réalité, même si réellement il y a plus de Kedusha encore qu'il y a plus de personnes, eh bien, c'est le même principe aussi de 10 jusqu'à même une personne qui va rester dedans. C'est pas grave. Ça fait pas réellement, c'est pas une considération, c'est pas une vraie perte de Kedusha. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.